TSM. Et bienvenue de retour sur la GSL, bien sûr, le Coda qui continue. On vient d'assister à un trap contre Shine qui était quand même bien vénère. Hein. Shine qui s'est fait un peu éclater quand même, c'est disons-le. Ça. C'est comme pour France-Brésil, le score raconte tout ce qu'il y a à raconter. Le bon 3-0. Le bon 3-0 qui fait mal pour Shine, qui pourra se concentrer pour Ops. Je me demande s'il a oopsé les games juste après, parce que ça c'est ultra rude, genre tu viens de te faire 3-0 comme un sale. Même si t'avais pas énormément d'espoir. Je pense qu'il y avait un ops prévu pour la soirée, tu vois. Ouais, enfin, quand même, t'imagines, t'arrives, bon, tu t'es fait chier dessus. Là, on passe c'était as expected. On passe au meilleur moment, celui où tu te réalises que MVP a récupéré. Avait déjà un sponsor qui s'appelait Chicken Maru. Mais il a récupéré en un sponsor. Il s'appelle désormais MVP Chicken Maru Forte, bien sûr. J'avais vu ça sur le Twitter de Brioche et j'avais trouvé ça génial. Chicken... MVP Chicken Maru. Chicken Maru, du coup, qui est un KFC local, quoi. D'accord, ok. Ça te, du poulet, si possible, rôti. Putain, d'ailleurs, il y avait une affiche KFC dans le métro, là, avec un burger et tout, qui a l'air de déchirer. Le truc à 5 euros avec un burger, un petit... Enfin, il a l'air de découper le truc. Hein. Glace, parce que tu sais que moi, en plus, KFC, il n'y en a pas près de chez moi. Enfin, j'ai dû bouffer de KFC 3 fois dans ma vie, tu vois. Et pour donc, le coup, je connais pas les bons bails KFC. Quand j'ai vu ça, je fais « Damn, ça a l'air bon !» En gros, ils te vendent ce que pour 5 euros, ce que McDo te vendent pour 10 euros, et tu demandes comment. Ouais. Mais effectivement, ça inspire Geeks, puisqu'il y a beaucoup de Z dans son pseudo, qui a eu son Wallet du coup et qui rejoint la Road to Poutre en premier. Et nous avance, nous rapproche petit à petit de l'OGSL Inter. Pour rappel, pour ceux qui se posaient des questions sur le compte d'abonnés, c'est le compte d'abonnés actif, c'est pour ça que des fois il descend, des fois il monte. C'est ça, tendance exactement. À la hausse sur les derniers mois quand même. Bon, j'ai vu qu'on en avait plus que LOL, donc finalement ça prouve que le public SC2 est quand même beaucoup plus fidèle, malgré le fait qu'il soit plus, moins nombreux. Quoi. LOL, ils ont réussi à perdre un tiers de leurs abonnés en deux mois après les Worlds, en gros. Là, ils en ont 1000. Ils en ont 2000 plutôt. Ouais, alors qu'ils nous avaient dépassé, ils nous avaient atomisé durant les Worlds. Oh la tristesse. Ouais, mais pendant Nation War, on en a eu pas mal et tout aussi. Mais ouais, clairement, les gens sont, les gens suivent et les gens s'approchent de l'OGSL Inter. Alors finissons déjà l'OGSL, mais je sais que quand elle sera terminée, il y a plein de gens qui vont se motiver pour essayer d'avoir l'OGSL Inter qui va se mettre en place et juste derrière le match des légendes, faire revenir MMA de son service militaire. Faudra attendre 2 ans pour le coup, mais ouais, tu peux pas lui gratter un week-end, tu penses pas? Ça marche pas comme ça. Je pense pas. Petite permission, non? Je crois que s'il a une permission, alors autre chose à faire que de venir se faire éclater à StarCraft 2. Ouais. Bon, je sais pas, MMA, tu sais, il nous aime bien. Il peut venir faire un petit grand Rex avec nous de nouveau. Hein. En vrai, MMA, il a tellement réussi la sortie parfaite en gagnant un Story Cup. C'est vrai qu'il peut pas revenir. Non, mais c'est vrai que MMA, c'est typiquement le genre de joueur, faut jamais qu'il revienne. Quoi. C'est ça, tu peux pas faire. Ouais. La seule chose que tu peux faire, c'est revenir en coach sur un jeu. Ouais, ou revenir en explosant tout le monde, mais c'est tellement improbable que tu vas niquer, tu as tout niqué quoi. Dalek pour 4... le resub, bien sûr. Et qui en est à 16 mois du coup, c'est. 16 ? Ah ouais, 16, putain, je pensais qu'on était à 14. Oh, Dalek, sérieusement. 16 mois du coup, tranquillement. Hein, qui... 16 mois, ça fait. Oh. T'as le temps de faire des choses. Je crois que t'as pas le temps de faire un éléphanto complètement. Je crois que c'est encore plus long cette chose-là. Un éléphanto en gestation, tu parles ? Ouais, ça a une durée improbable ce truc. Ah putain, sérieux ? Je me renseigne sur. L'autre jour, j'en regardais un d'ailleurs, pouvait essayer de boire de l'eau, qui savait pas se servir de sa trompe. Putain, c'est con. Et arrête. Ah, il plantait sa gueule dans l'eau, c'était marrant. Mais en tout cas, on voit des petits. Des bons occidentaux. Toujours contents d'être là. Ah, quand tu passes à la caméra. Putain, ils vont mettre systématiquement la map en dernière map là. Parce que GSL Rakshir là, Rakshir, on n'a pas eu l'occasion de l'avoir avec Trap, il a dit non. Ouais, du coup Trap a complètement dit non, c'était Sky Shield pour Trap Rakshir. C'est vraiment inspiré du scénario de la campagne où t'as les deux Tal'Darim qui font leur duel de teubé. Ça ressemble à ça. Ouais, et t'as vraiment les puits et tout. Et du coup, ce que j'ai toujours pas vu, il y a tu parles au niveau du design ou de la map en général, elle a même Ah ouais, c'est la même chose. C'est la même forme. T'as les deux puits rouges et le truc en diagonale, d'accord, c'est de gauche à droite. Diagonale. La question qu'on se posait du coup, c'est avec un descripteur, est-ce que tu peux essayer de marquer des buts en balançant un ravageur dans le puits? Ah oui, ah oui, au niveau des animations, oui, mais faut avoir le jeu en élevé, mais ouais. Clairement ça, moi, les unités qui meurent et qui tombent dans le décor, je me dis ça c'est beau, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas ça sur Wings of Liberty. Hein. Sur le bon Wings of Liberty où on perdait sur des 12 drones. Exactement. C'était pas 12 en plus, c'était combien de drones? Enfin, t'en faisais 12 en fait, parce que tu faisais un double extractor trick. Ouais, c'est ça. Pour profiter de ton abus. De ton abus. De ton abus. Et Ponf qui a représenté. Ouais. Ponf, mec, si tu le joues la prochaine fois, fais gaffe, parce que t'es le dernier terrain à pas avoir perdu contre ça. Pour le coup, je pense que je perdrai pas contre ça. Ouais. Parce que ce coup-ci, je m'y attendrai. Ouais, c'est ça, tu tiens. Funka, il perd parce qu'il s'y attend pas. Hein.
En fait, faut absolument pas paniquer quand tu vois un truc aussi débile que ça. Clairement. Alors, une minute du coup, avant qu'on entre dans la game, vous pouvez voir les deux joueurs. Salvation, est-ce que c'est l'année de Salvation, tout simplement, 2016, après... Tel Arstem. Ouais. En mieux. Ça fait ceci, toujours mal. À la fois, on dit en mieux, à la fois, au final, pour un foreigner, Rainer, Arstem, il a une certaine consistance, il arrive à faire des bons runs. Ouais, mais il gagne rien, quoi. Même quand il y a des... Oui, mais... Mais c'est ça, mais putain, au bout d'un moment, faut gagner, quoi. Moi, le GC2, je vais la défoncer. D'accord, c'est dit. J'appelle Yogo. S'il est pas encore dans l'avion, allô. Non, Yogo. Mais déjà, j'ai une chance de croiser soit Chris, soit Tekken en quart de finale. Donc ça, c'est cool, tu vois. Et de l'autre côté, c'est... Sinon, ça peut être Pouilleux ou toi. Et c'est tout. Et c'est tout, ouais. Donc c'est un peu chaud. Pouilleux ou toi, je serais pas bien. Mais sinon, les deux autres poules, ça me va, tu vois. Ouais, on verra. Du coup, j'ai appris que, moi, je veux oui que tous mes matchs se joueraient, et ceux de... Enfin, mon groupe sera torché mardi, du coup. Mardi, le suivant, là ? Ouais, mardi suivant. Ok. Ce qui arrive un peu trop vite, du coup. Bon, arrête, t'es prêt, mec. Ouais, j'avoue, pour jouer Pouilleux, faut se préparer. C'est ça, il faut être préparé mentalement, tu vois. Je vais faire des séances d'aqua avec de l'anti-cafard dans l'air. Ouais, c'est ça. Histoire d'être psychologiquement prêt. Nos skills 31, qui en est à 6 mois sur... L'introduction d'un joueur de qualité par Nobs de qualité, Ternbeu, Team MVP Chicken Maru. Il s'agit de Forte. Ce blaze est génial. Chicken Maru ? Ouais. Ouais. MVP Chicken Maru. C'est ça. Genre le meilleur de Chicken Maru. C'est ça. Ici, pour la team Samsung Galaxy. Il est toujours en Samsung Galaxy. Ah ouais, ouais. Il est Terran, il est bien puissant quand même. Il s'agit de Bravo. Le bon Bravo. Qui nous fait bien kiffer. Attends, mec, qu'est-ce qui se passe là? Moi, il y a déjà un gaz. First. D'accord, c'est juste un gaz first. Gas first qui arrive particulièrement tôt. Ah, il est super tôt. Hein. J'ai bugué là. T'as obligé de le faire tôt en fait. Vraiment tôt. Mais ça, c'est dingue ça. Moi, c'est un truc que je remarque, mais mec, tu te rends compte que ils ont le même nombre d'SCV. Enfin, tu vois, genre, gas first c'est mieux quoi de base. Bah, en fait, si tu regardes, la différence c'est que t'as 100 000 rendements. Et donc que tu peux pas expander. Par exemple. C'est juste ça en fait. C'est ça. Mais sinon, en termes d'unité, de probe et tout, t'as la même chose 100% et t'as juste un gaz en plus quoi. On va voir. C'est vraiment, ouais, y a pas d'expo. Regarde, bon, scout, ça j'aime bien ça, les joueurs qui scoutent. Toi, je sais que tu m'as dit, je n'aime pas les gens qui scoutent trop tôt. Mais je trouve ça toujours bienvenu moi. En fait, je respecte les gens qui scoutent, mais j'ai mal à leur minerai. Ouais, mais c'est ça, mais moi je me dis, l'info vaut tellement plus cher que le minerai que ce SCV va. Ça dépend. J'aime bien les builds où t'as pas besoin de scouter en fait. Oui, non, mais ça c'est kiffant. Mais moi j'aime bien les BO où de toute façon tu dis je m'en fous, tu vois. Genre, je m'en fous, je traverse la map. Mais c'est ça, c'est typiquement les BO bombeurs. Hein. C'est trop marrant. J'ai souillé un Protoss comme ça aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est les BO je m'en cale. J'ai fait 10 marines, un cyclone. Après avoir posé expo, j'ai traversé la map, j'ai gagné. Mais c'est ça, mais c'est. trop drôle. Comme ça. Mais c'est retard, mais c'est marrant quoi. C'est marrant aussi. Et ça marche jusqu'au plus haut niveau. Il y a juste le moment où tu arrives en tournoi où faut t'adapter un peu. Du coup, très très intéressant ce que propose Bravo. Du côté de Forte, on a le standard actuellement. Tu fais une Reaper Expand. La différence en fait, c'est que tu ne fais absolument pas de réacteur. Mm. Tu fais des marines un par un, tu fais pas d'addon sur ta Rax. Et tu accélères du coup ta tech. Et ici, on a, je crois, la Banshee Cloak la plus fast du monde. Je pense que c'est Banshee. Bah, ça ressemble à ça. Ouais, ouais. Et Lyon et le Starport. Ah. Et là, il va nous faire un corbeau. Et il va nous envoyer des petites tourelles, lance-missiles. Tourelles qui sont super fortes maintenant. Bah oui, j'ai testé contre Yata l'autre jour. Ah ouais, du coup, mais faut que je regarde ses votes. Mieux, faut que je vois les replays. Je me mets dans la vision de Yata pour voir. La vision de Yata, c'est drôle. Bah déjà, il a fait des move-click toute la soirée, il a pas à click. C'est un peu comme un film en slow-mo. Mais tu sais qu'il avait quand même 80 d'APM. Hein. Ouais, c'est pas mal. 73-80 d'APM, alors que le mec, tu regardes ses mains, c'est moi qui ops quoi. Genre, ça avance pas, il se passe rien quoi. Et pour le coup, Yata, c'est tout dans l'intelligence de jeu sur le placement de la proxy robot, puisqu'il est quand même gold avec tout ça. C'est vrai. Non, mais j'ai failli en lose une. Ah punaise. Parce que, bah ouais, en même temps, j'ai 3 ghosts, il a 15 adeptes. Après, ouais, c'est Yata, donc je me suis tranquille. Envoie ton EMP, fous des SCV devant et tes ghosts, ils vont le faire le taf. Et bon, ils ont fait le taf. Le ghost qui a l'avantage de pas être léger, ni blindé. Mais c'est le, ça, en fait. Le meilleur statut du monde, en fait. Le meilleur statut du monde, c'est celui qui ne prend jamais de bonus, de dégâts bonus. C'est ça. Aucun avantage à être léger ou blindé dans StarCraft 2, juste la lose. Oh là là. Il va scouter quand même le fait que ça soit Banshee Cloak. Et logiquement, alors, moi je trouve les Banshee Cloak forts, mais c'est parce que je joue au niveau dégueulasse. Moi je trouve ça pas top, les Banshee Cloak. Parce qu'ensuite, il va faire un cyclone. Là, il va y avoir un cyclone. Et si tu scans, tu tues la Banshee. Ouais, cyclone viking. Non, même pas, pas besoin. Cyclone Medivac, je suis encore plus hype. Vas-y, cyclone, voilà. Ah, et tu penses qu'il va chase la Banshee? Non, alors, t'as le potentiel, surtout en fait, tu gardes le cyclone chez toi et tu contre-attaques avec un Medivac.
Et du coup, ça réduit vraiment le potentiel d'agression du joueur adverse. Par contre, là, la game qui peut partir instantanément en what the fuck quand même, puisque le deuxième unité sur le starport de Bravo, c'est une Banshee, c'est un Medivac également. Qu'est-ce qu'il fait ? Vraiment, t'investis le cloak ? Bon, après, le cloak, c'est plus cher maintenant. On est plus sur Wings of Liberty comme l'a pris Coca. Tiens, c'est des pans qu'on pompe, ouais. Ah, mais le moment, tu dis que tout était cher dans ce jeu. Ouais, tout était cher et lent et chiant, quoi. Mais non, mais là, ça va juste trop mal se passer. Oh, mec, il va se faire stomp. Ah, il va pas. Il rien faire. Il a rien à tuer. Est-ce qu'il la perd ? Là, si tu scannes, tu tues. Quasiment. Oh, oh. Après, tu peux attaquer le cyclone. Alors. Oh non. Ah, attends. Il a annulé. Oh, le bon fail. Le bon fail. Mais ici, on a quand même. Bon, là, on fera rien, mais là, on a. Non, alors. Non, non, là, il se fait calmer aussi quand même. Je pense qu'il peut pas tuer avec ça. Par contre, faut encore être en place hein, du côté de celle de Bravo qui vient de finir sans cesser. Bravo qui a l'air de partir sur une grosse agression. Okay. Qui se débarrasse du cyclone, j'allais dire. Tu peux prendre ton adversaire pour un jambon et tuer le cyclone en 1v avec la Banshee. De l'autre côté, le drop qui est quand même déchargé bien tranquillement. Mais il n'y a qu'une station orbitale en train d'être morphée. Tu vas pas infliger réellement du dégât ici. Par contre, t'as une présence sur la map. Là où on avait un Bravo, sérieusement, tu fais 2 medivacs, 2 tanks et 8 marines. Ça pue quand même la volonté de tout charger, oh, traverser les cartes. Il va aller le bourrer, il va aller se poser là et il y aura rien. Mais il a pas de respect, sérieusement. Normalement, le medivac, en fait, l'intérêt du medivac de Forte, c'est que ça empêche Bravo de faire ça. Ouais. Parce qu'il a rien chez lui. Ouais, non, non, mais c'est ça, là, c'est vraiment genre. À poil distant. Je m'en branle. Ouais, mais le pire, c'est que c'est en train de marcher. Et ça va passer tout seul, là, il peut défendre largement. Non, et puis là, t'as pas envie de débarquer. Mais non, tu débarques pas, tu vois le viking. Ouais. S'il y a tout le reste derrière. Non, et puis même s'il débarque, ouais. Tu poses ton viking, ça passe, hein, tu poses 3 SCV, et puis là, ici, ça va être indéfendable. Maintenant, pas de chance, il va venir se poser là où il y a le viking et un tank en mode siège, attention quand même ici. Genre la range parfaite, est-ce qu'il avait l'info sur le tank ? Il détruit le viking, du coup, la Banshee est à nouveau relativement sereine, ceci dit, un deuxième viking qui arrive. Oh là là, bon. Il désiège, oh, mais non, et lui, il a la portée parce qu'en fait, mais attends, mais c'est bizarre. Ah non, mais il y avait... Mec, il a pas tiré. Non, mais il était vraiment à la limite de la portée, hein. Mais il y avait le viking qui voyait tout en ouais, termes de. Ouais, mais il l'a dessiégé, il l'a repassé. Ah oh, oui, lui, d'accord, exact, j'ai pas vu le dessiège, pardon, excusez-moi. Ok, donc. Et là, du coup, bah il le pourrit. Là, faut se dire, à la fois, c'est poutre, et à la fois, t'as toujours 5 péons de retard. Il y a 2-3 en avance, c'est-à-dire que. Si, faut tuer là, hein, presque. Faut. Ne pas perdre les deux tanks et trade efficacement. Ça, c'est vraiment pour ceux qui se demandent, mais prendre un tank et le déposer à la portée d'un autre tank perdrait toujours le trade. Hein. C'est vraiment là, il a fait ça parce qu'il peut repair et qu'il veut surtout affaiblir l'armée adverse. D'ailleurs, c'est très très intelligent ce qu'il fait de repair. Hein. Ah oui, non, ça c'est génial. En fait, il va gérer finalement, mais là faut revenir avec ton tank. Tu mets la pression avec ton viking, t'abuses de la vision et avec ton tank que tu répares, tu trades contre le tank adverse. C'est ça exactement, parce que tu peux, voilà, tu l'affaiblis, tu peux complètement repair, donc c'est vraiment intéressant. Ah ça par contre faut pas le perdre ce medivac, il est très très important dans la défense. Et c'est bon, viking réparé. Je suis impressionné par l'exécution des deux joueurs qui jouent la situation parfaitement pour l'instant. Pendant ce temps là, ça se développe bien par rapport à la base de Forte là. Ouais, et Forte là si tu montes en income, oh, et tu te barres avec les deux temps, c'est parfait. Ah bah, il est tout nul hein. Il mine sur une base en fait. Avec 37 péons dessus. Maintenant il a 3 CC donc... Ouais, après, il est vraiment en retard, je crois. Il a bien perdu Sarax quand même. Oh, attention, ici, j'ai les Marines qui ont été abandonnés et qui vont se faire nettoyer. Un Marines sans Medivac, c'est vraiment nul. En fait, sans upgrade et sans Medivac, c'est vraiment de la chair à pâté. C'est ça, c'est un peu comme Dragon Ball, tu vois. Ouais, t'as le mode Super Saiyan et tu le développes. Chaque fois que tu débloques une upgrade, t'es de plus en plus gros, plus en plus jaune. Maintenant, t'es bleu maintenant dans les nouveaux donc. Ok, je suis pas à la pointe de la technologie. T'inquiète, ça vaut pas forcément le coup. Moi je regarde parce que l'univers Dragon Ball, je suis content dès que j'en vois, mais en vrai c'est de la merde. Hein. Disons qu'on kill ces deux tanks. Ah bah falloir. J'ai l'impression qu'on se prend pour Testosis, ça parlait de Dragon Ball. Ouais, mais c'est bien alors, si on fait comme les meilleurs, c'est cool, tu vois. Et Teshless qui a retrouvé sa passion d'ailleurs, il commentait le Coda hier. Ouais. Et il veut commenter la 12 de StarCraft puisque Moonglad part, du coup il prend son spot aussi pour la SSL et peut-être la Pro League. J'ai vu que Moonglad part. Et ils commenteront peut-être du Brood War pour. Moonglad, il arrête StarCraft ou il a d'autres projets StarCraft ? Il a des projets hors Corée en tout cas. Parce qu'il a parlé d'Australie, mais en Australie. On va voir ce qu'il fait. Bon, en tout cas, là, mec, il y a quand même beaucoup de tanks. Hein. On est déjà sur 6 tanks, maintenant full life. Et rappelons rapidement que le tank, ça fait du tort. C'est l'évolution de Carapuce, Thor Tank. C'est ça. Et le Thor, mec, attention, c'est pas fini. Le Thor tue. Et là, on revient à Carapuce. Ok. Voilà. Ça allait beaucoup trop loin. Tout ça pour dire qu'il y a un mec qui a un gros marteau et l'autre qui a un petit matron.
Ah non mais ah tu m'as vendu du rêve. Ah le bon. Ah la suite quoi. Tu me suis tu vois. Tu me suis. Ouais, ouais, tu gardes un des allez. Et là il m'a regardé, il s'est dit celle-là je peux pas la faire avec tout le monde ici. Et avec Ivresse ça passera. Il dira oh god damn it. Il va peut-être m'enfoncer un peu mais c'est avec Funka que je prendrai le plus lourd. Mais qu'est-ce qu'il fait? Où tu vas? Où tu? Mais mec, il l'a vu en plus. Bon bah GG. C'est méga GG là. Alors. Mais mec il est allé où? Mais c'est un misclick, non mais c'est un misclick, c'est pas possible. Non, alors... Enfin on va commenter cet emballage, y a-t-il quelque chose à faire cet emballage. Allez sauve. Oh. Techniquement de plus en plus on voit les mecs en fait qui partent avec 2-3 tanks et qui tentent d'outplay leur adversaire parce que si tu joues bien sur ce genre de map... Sur un trajet tu peux le défoncer mais... Bah en fait non tu le tues et genre t'es pas tuable par des marines. Ouais. Il y a trop d'endroits où tu peux te planter. Ah là il était déjà loin derrière. Et le pire, c'est qu'il a même pas l'infrastructure pour dépenser sa thune. On vient de scanner la B3, ça ressemble quasiment à un GG scan. Bon, film de boule. Ah, j'ai pas compris. J'ai pas. Il l'a vu, il l'a pas vu. Il l'a vu sans le voir. Je sais pas. Peut-être pas fait attention. Ce qui sera une énorme erreur quand même, faut le dire. Après, bravo, vraiment, pas de respect pour son adversaire, genre t'as un drop. Oh ouais, non. Il y avait zéro, il y avait un lion dans sa base. Ah oui, non, il n'y avait même pas. Mais ouais, il y avait un lion qui venait de sortir. Il se marre, il fait oh, j'ai chié, putain, je suis nul. Ouais, puis. Et putain, il a pas d'âme en face, quoi. Ah ouais, ouais, aussi. Parce que la prise de risque. C'est pas au niveau du build harder, hein, chez Bravo, dont on parle la prise de risque, mais c'est au niveau de l'exécution. Il y a un moment, il fait son BO. D'ailleurs, son BO est super clean, quand même. Ouais, j'aime bien, moi. Genre, si tu veux monter vite en ladder, tu vas pas gagner 100% de tes games, par contre 95% jusqu'à ce que tu atteignes ton niveau en fait. Mm. Voire un peu plus haut que ton niveau, je pense que tu arnaques. Tu penses que tu peux arnaquer un peu plus que ton niveau. Il y a des BO comme ça, moi je me rappelle, enfin, contre Zerg, je faisais que des Lion Banshee quoi, tu vois, pendant un moment et je gagnais que ça quoi. Tu sais, quand je suis monté Master pour la première fois, je faisais que ça en ladder quoi. Et Lion Banshee contre Zerg. Et après, il a fallu faire autre chose parce que les mecs posaient leur spawn. Ouais, ouais, non, bien sûr. Et après, les mecs ont compris, ont posé une sport crawler à l'avant, 4 autres, et je savais plus rien faire. Quoi. Bon, je te promets, contre Pouilleux, il y a une game, j'espère qu'il regarde pas, mais il y a une game où je lui fais Mass Banshee. Ouais. Sur 3 starports, sur 3 bases. À la Marine Nord là avec ouais, la Marine Nord, j'ai poncé le truc. Ouais. J'ai souillé des gens tellement meilleurs que moi. Ah, non, mais moi je l'ai essayé aussi, et c'était marrant. C'est beaucoup trop drôle à jouer en plus. En tout cas, ici, on verra si Gumiho nous propose un truc aussi taré. Là, Bravo mène voilà, l'agression de Bravo, qui avait son plan de jeu. Mmh. Ouk, zéro adaptation, j'ai envie de dire, par rapport à ce que propose ton adversaire. Et Tubourg, ça a fait le travail, puisque ce joueur, il est bleu, il joue pour MVP Chicken Mao. Il s'agit de Forte. En fait, on va pouvoir les introduire tous de la même façon, maintenant. MVP Chicken Mao. Bien sûr. Y a-t-il plusieurs... Plusieurs Chicken Maru, il y en a un qui est meilleur que les autres maintenant. Genre ils peuvent décerner, tu sais, hein, tu mets les, ah oui, les photos le vrai de la MVP, team le vrai dans MVP. Le meilleur resto Chicken Fantasy. Et en haut à gauche. Pour toi, Imre, parce que t'es bonne. Et en haut à gauche, pour la team Samsung Galaxy, il mène 1-0, il s'agit de Bravo. J'aurais juste à dire que vous êtes bien bon, mon brave. C'est vrai parce que t'es bonne quoi, genre les... C'est pas mal, je veux dire. Oh, bah c'est flatteur en vrai. Je vais pouvoir aller à Boulogne. À quel acteur tu ressembles là? Il y avait un mec qui avait mis un tweet là où tu ressemblais à un acteur déjà. Bah il y a Dexter mais il y en a d'autres. Après je suis vraiment pas cinéma donc. Ouais, moi on m'envoie des trucs, je connais pas. Et tous 5 mois d'affilée, Vjous, merci à toi. Il y a Dalek qui vient de m'insulter sur Twitter, sympa de traiter les abonnés d'Elephant Tocap. Et là, alors attends, Forte là. Il joue double la carte Funka, la carte j'ai envie de dire Ponf Moment en Archonte EVT. Oh là, et j'espère que ça se passera mieux. Putain, franchement, t'as vomi ou pas? Moi j'ai vomi. Non, moi ça m'a fait rire. Ah ouais? Parce que j'ai eu un moment d'espoir que ça soit Moment qui fasse un micro. Malheureusement, c'était pas le cas. Ouais. Mais ouais, non, mais moi je suis content maintenant qu'il y a Yogo. Je pourrais, si je joue ma carte Archonte contre quelqu'un qui fait un random, j'aurai un partenaire plus compétent quoi. Contre. Bah maintenant qu'il y a Yogo, tu peux prendre un partenaire à peu près efficace. Ah oui, non mais ça j'ai pas compris Ponf Moment, j'ai vraiment pas compris. Je l'ai dit à Ponf, t'as fait quoi là? Pourquoi t'as pris Moment? Le mec il sait rien faire dans les autres races alors que Yogo il se débrouille un minimum. Et clairement c'était une idée un petit peu étrange de la part de Ponf, ici en tout cas. Ceci dit, Ponf qui est passé, qui avait une chance sur 3 de tuer son adversaire. Toi aussi Coca, t'es bonne. Oh bah merci Shrom. T'es plusieurs d'ailleurs. Oh, je suis plus bonne, je vaux plus de tuer. Oui, c'est ça, mais t'es plusieurs, t'as un S à bonne. Exact en plus. Mais je suis plus bonne donc c'est cool, merci. Exactement, t'as gagné. Qui est la plus bonne, bien sûr, une question qu'on se pose tous. Une question qu'on se pose tous. Qui est la plus bonne chez EG? Faites péter les thunes.
Et mec, il y a la putaclic, putaclic, bien sûr. J'aime beaucoup le BO de Forte, c'est-à-dire, il est illisible son truc. Ouais. La deuxième arme aussi. Tu comprends rien. Et tu comprends rien, et je pense qu'au moment où t'as genre un lion et quatre reapers qui arrivent. Ah, t'es pas bien. Ah, c'est vraiment ah, pas c'est drôle. Ah, c'est serrage de cul, hein, là, clairement, ici. Il petit a rien. Lion qui monte. En vrai, il peut poker là. Allez, lance une bonne mine. Une bonne mine qui touche. Si tu touches avec la. Dommage. Ok, je pense que si tu touches avec la mine, c'est, tu gagnes c'est la game. C'est dur de toucher. Ouais, tu gagnes la game, je suis d'accord avec toi. Mais c'est trop dur de toucher un mec qui regarde, en fait. Ouais. C'est, en fait, comment micro contre les Reapers si vous avez les marines, il faut juste accepter le fait que tu vas pas casser la gueule au Reaper. Tu recules. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais, non, clairement. Il y a trop de gens qui sont énervés du marine. Et ça m'arrive, des fois j'ai envie de buter ce Reaper. Et tu butes et tu prends 42 dégâts, tu meurs sur les 3 suivants. C'est ça. Non, 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 faut pas fight en fait. Attends, par contre, ah, c'est drôle ce qu'il fait. Corbac. Un corbeau, donc ultra défensif. Ouais. Et en face. Oh mec, ça va être violent. Ça, c'est... Mais pourquoi le faire comme ça? C'est la question que je me pose. C'est-à-dire que t'es un opening beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, où tu fais un drop que 4 lions, 4 Reapers. Mmh. Et qui enfin, se passe comment du coup, quoi? Qui se déroule comment? Tu fais gas first en fait, Reaper. Ok. Tranquillement. Et tu. Ah, tu penses pas c'est mieux ça? Parce que là il peut en dropper. Il y a plus. Il peut monter là en fait. C'est la config de la map plus qui est intéressante. Libérateur après. Il y a combien de Hélions? Là il y en a deux embarqués. Ouais, il y en a deux embarqués, mais il y en a un en face. Oh, mais il y a rien. Pour moi il va le bourrer là. Faut l'autotorel. Pour moi il faut venir ici. Ah bah de toute façon, c'est soit ici soit en frontal, mais à un moment faut que les Reapers aient le frontal, c'est moins cool quand même. Enfin... Bah y'a le wall, y'a les bâtiments. C'est ça, c'est oh, pas il cool. Va se faire, il va se faire tellement bourré, bravo. Allez, oh là tu vois ça, oh t'es tellement heureux. Fais comment? Non mais tu... Ouais, tu il va tu... comme un sac, en fait il va se donner la vision, les Reapers ils vont tout découper. Oh là là. Yo là. Salut. Salut Doudou. T'as pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Et du coup il s'est fait niquer ses CV bien sûr. Oh là là, ça se passe pas bien. Allez, y'a peut-être une autre turret encore là. Oh la brochette. Franchement, c'est bien géré. Il défend super bien, il défend méga bien. Par contre, là, oh, la mini. Attends, est-ce qu'il va. Je pense qu'il va survivre. Il va hold et il est super bien dans la game. Du après, coup, bravo. Super bien, il y a un libérateur qui traverse la map. J'espère qu'il y a un viking en production. Ouais, mais. Ouais, il y a un viking en prod, okay. Et il y a une tourelle ici qui devrait pas tarder à revenir. C'est 50 d'énergie, donc il pourra la poser. Il sait, s'il se met en mode siège, tac, il la pose instant. Par contre, il n'y a rien pour défendre son corbeau. Ouais, mais il n'y a pas d'entière en face. À part le libérateur, mais ouais. Je pense que le libérateur peut même pas tuer le corbeau si tu le répares. Ouais. Ça fait vraiment. En fait, c'est vrai qu'on est à rien tout seul, c'est de la merde. Faut qu'il y en ait plusieurs que ça puisse splash sur quelque là, chose en face. Pile poil le viking. Et là, le libérateur, il fait pas c'est trop magnifique. Le malin. Certes, diversion en fait, le libérateur, le problème c'est qu'il y a le siège tank qui va tout calmer de l'autre côté. Non, non, vous êtes des Reapers, les mecs, on se détend. Dans le genre unité fiotesque qui n'a pas de point de vie, tu es le numéro 1 Terran. Alors tu te détends, ouais. D'accord tout de suite. Mais la... par contre, la qualité du hold de Bravo dans ah ouais. Une... Alors, bru... est-ce que c'est bien hold ou si c'est Forte qui a pas envoyé ses mines? Parce que là, il y avait un truc à faire avec les mines quand même. Il en a pas envoyé. Ouais, c'est le genre de situation, en fait, tant que tu l'as pas joué vraiment beaucoup de fois, c'est compliqué de dire. Ouais. J'aime bien ce que fait Bravo aussi. Prends la gold. Ouais. Pas de respect. Mais t'es derrière l'économie. Là, son retard, c'est 8 CV. Si tu prends la gold, c'est compensé. T'as plus qu'à jouer un Steam. Je sais même pas s'il est derrière l'écho, parce que finalement, tu regardes, ouais. Et bah, il a 22 CV, ouais. Mais sur une base, et l'autre en a 30, mais sur une base. Donc c'est en fait, ils sont ex-écho, et là, le tank, bah, il va être ex-écho. Ouais. C'est ça, t'es ex-écho. Maintenant, la différence aurait été faite quand le CC se termine, s'ils étaient tous les deux sur base. Égal, là, clairement, il était derrière. Mais là, je pense qu'il se met. Il se met sur bien. D'autant plus que Terrasse de Prion, c'est normalement une map sur laquelle c'est très compliqué de prendre B3. Donc, tout le monde joue des styles ultra aggro avec 5 racks. En mode, c'est le cancer et on prend pas de B3. Et si tu fais ça, ben autant prendre la gold. Il va prendre le tank. Il va le prendre. Il va le prendre. 1, 2, je crois que c'est tout shot. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ça fait tellement mal ce truc. Ça fait super mal. Il y a le drop dans la B2 qui fait mal ici. Par contre, j'espère qu'il a des unes. Oh my god. Tu sais, là-dedans, tu rentres. Bah, moi j'aurais préféré un passage par là. Là. Ah non, là tu siffles un tank, tu balances deux autotourelles. Faut y aller. Il va pas le faire. Moi ouais, je te dis que mec, tu sièges un tank là, t'en montes un autre et tu fais l'ascenseur. Le drop est toujours actif en fait chez Bravo. Je pense que ouais. Bravo là il est occupé par ça. Ça vient de récolter 3 SIV de plus. Ça l'a empêché de miner sur sa gold. On va tomber à 4 SIV en tout. Très très bien fait ce que vient de proposer Forte là. Forte ouais. Réutilisation des unités qui sont déjà. Oh là attention là ça va pas bien se passer. Oh la perte du Medivac qui est triste là. Oh là 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 là. Non, perds pas ton corbeau. Au pire il a un PDD à envoyer je pense, mais c'est compliqué. Moi je te dis il y avait un truc ouais. À faire. Il y a un truc, je suis d'accord. Je pense qu'en fait, on est tout d'accord. Il y ouais. Avait un truc à faire en bas, safe. Il y avait, tu pousses deux tourelles, tu dors pas. Mais tu penses pas justement que tu arrives, tu mets un premier tank là, tu montes le deuxième et tu fous deux tourelles là, comme ça t'as le temps de finir ton ascenseur. Et là, le mec, t'es placé dans les bâtiments de prod.
c'est vraiment pas mal. C'est relou quoi. Je sais pas, il y avait un truc à... Il avait un corbeau, il avait des tanks, c'était il cool quoi. Il un deuxième tank sur le... Non. Calmez. Non mais il s'est fait défoncer. Pareil, tu parlais des unités qui ont pas de HP, le c'est cyclone. Vrai que le cyclone en fait partie, ouais, pour ouais. Unité mecha. Et puis pour le prix où tu payes quoi. Ouais, c'est vrai que ça meurt vite ce truc. Quand tu dis que ça perd le combat contre un oracle, ça fait chier quand même. Ça fait un match nul. Ça fait match nul, les deux meurent en même temps. Ouais. Oh là, ta tablette n'a plus de batterie. Ah c'est pas grave, on la rechargera histoire de vous... De vous garder en contact. Keep it touch. Et là je pense qu'il va se faire abuser. Ça t'a l'air, c'est bien de prendre la gold maintenant, t'as intérêt de jouer agressif. J'aime beaucoup le fait qu'il fasse deux vikings, ça lui reprendra un semblant de supériorité aérienne. Qu'il n'aura pas, parce qu'il y a un corbeau et deux vikings aussi. Ah en non face. Mais c'est deux vikings chez... Ah tu parles de chez... Oui d'accord. Bravo, qui va monter à 4 et qui aura une V sur... Ça marche. Ouais, il va se faire sanctionner un tank instant. Ça va vite, par contre là il peut y perdre beaucoup. Hein, il vient de gagner le trade. Ah, il va tuer un viking. Ah, la fuite qui est un peu dommage là-dessus. Et je mets Bravo, Bravo dedans, devant quand même, moi. Je sais pas pourquoi. Bah, il a un peu moins de pop et tout, mais je sais pas. Les cartes supply, concrètement, c'est ses 10 CV. 3 quasiment. Ah non, il a quand même beaucoup de retard sur ses bâtiments de prod. Et le Steam, comment je... Il y a deux teclas, mine de rien, c'est un marine de moins par cycle. C'est des petits détails qui paraissent pas grand chose, mais à un moment ça se paye en fait. Ouais, non, je pense que Forte est mieux dans la game pour l'instant. Ouais, il a aussi une upgrade d'avance. Forte maintenant, il a une espèce de pression à cause de la gold en fait. C'est ça en fait, c'est pour ça que je disais ça au début alors que c'est débile, mais voilà. la gold te met toujours un sentiment de retard quand tu ne l'as pas. Alors que pas forcément. Et ici, il perd le trade à venir, attention. C'est très très bien. Est-ce qu'il a apporté sur le combat shield? Pas impression. Là tu sais que, ouais, faut que tu fais ça et tu dignes du bâtiment. Après en théorie il a plus la vision d'un one shot là. Et attends, toutes les autotourelles. C'est bien fait ça de la part de Bravo qui se débarrasse d'un tank qui est beaucoup de marines sans donner grand chose. Il a abusé de l'absence de vision de son adversaire. Ouais. Pas avec un tank, mais les trois autotourelles. Oula, il y a un petit drop ici qui est venu massacrer quelques marines. C'est un tank, j'ai l'impression, qui est mort aussi. Il y a une rax qui a été posée. Ouais, alors là, les deux racks, j'ai pas bité aussi. Je les ai vus tout à l'heure, mais j'ai fait. Ah, c'est pour ça en fait. Il était pas tant en retard. C'était les MA2 même que là, on les avait pas vus. Mais ça d'ailleurs, marche. Tu vois, ça se resserre la pop et il y a toujours ces workers d'écart qui ne comptent pas dans cette game où les deux joueurs doivent avoir à peu près autant d'income. Ouais, tout à fait. Pardon, excusez-moi. Hop. Ouais, il est en avance Forte quand même. Comment ça se fait? Il mine à fond sur sa B1? Ça peut. Il a 10 patchs, contre... 10 contre 8, ouais. Et une gold. Ouais, effectivement. Non, puis surtout, la gold elle va bientôt mourir alors qu'ici on va l'entamer. Donc c'est vraiment la tendance va s'accentuer au c'est niveau ça. De l'écart de récolte. Là, Bravo, il a genre 2 minutes pour tuer. Ouais. Parce que tu peux pas. Il va perdre ses deux bases d'un coup en fait. C'est ça la tristesse chez Bravo. C'est d'un coup ton income il passe à 0. Et du coup. Après ça se soulève, tu le mets là, tu prends l'autre. C'est ça. Tu peux t'arranger. Je pense en vrai t'as pas besoin en TVT de faire plus de 2 CC sur cette map. Sur cette map, le 3ème CC est complètement non. Je suis d'accord avec toi. Et même celui de Salvation. Ouais. Tu vois le 3ème CC qu'il fait. Le seul intérêt de le faire c'est d'avoir un 3ème orbital. C'est vrai. Mais sinon, ouais. Tu fais voler le CC de ta main dans une minute. En fait, là, à ce moment-là, il y a déjà plus d'income. Attention, oh s'il perd son medivac. Oh mais il va dans la prod. Il s'est fait intercepter. Ah, il génère tellement pas de dégâts sur ce. Ah non, il fait rien là, c'est gratuit. Hein. Il a tué peut-être 3 CV, ouais, un marine. Si tu regardes, il a un tank de plus, 4 medivac de moins. Ça fait très mal les 4 medivac de moins en fait, parce que ça immobilise ses tanks du coup. Bah, c'est ça en fait, il a pas assez de medivac pour ses tanks. Ce qui. C'est-à-dire qu'il peut pas suivre. Par contre, j'aime bien les deux vikings qu'il a encore. Je pense ils sont que où les vikings d'ailleurs? Oh là, ça là. J'aime bien. Ouais, ils sont on a où, pas ces le deux vikings? Ah, ils sont loin. Hein. Ils sont loin. C'est dommage, ces deux vikings, c'est le seul réel avantage le qu'il a. Le bon patrol ici serait cool. Oh là là, ouais, il va se mettre en position comme un sac. Par contre, je sais pas où est sa bio. Il peut rentrer dans la main. Hein. La bio, ah, bah, la bio est dedans. Oui, ouais, la bio est dedans. Oh là 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 là. Putain, ah là attention. Après, si tu drops. Oh, il drop en premier. Il drop en plus. Premier. Alors, ça, c'est la méga win ça. Oh là là. Ah, là, bah là, le double drop qui va faire un carnage. Le drop en premier qui assurait que cette tank tire en premier. Et là, t'as toutes les capacités de production de Bravo qui sont sous siège. On va devoir y aller comme un bourrin pour qu'il trouve ça. La Rax qui tombe au bon moment. Ouais. Je suis même pas. Si on va gagner la fight parce qu'on n'a pas réagi instantanément. Oh attention. Des medivacs qui tombent, un tank, un pas seul. Deux. Ouf. Parce que deux ça aurait coûté cher maintenant ici, on se fait nettoyer aussi. Bravo qui fait la bonne défense là. Mais tu sais que Bravo il a réduit les cartes supply dans cette affaire. Ouais non ça se passe il bien pour Bravo. Il a 5 tanks à 2, maintenant il a ses medivacs. 2-2 par contre envoyé par Forte. Ouais bah ça le 2-2 ça va être c'est ça l'espèce. Va être le kill move, hein, ouais. De bombard retardement qu'il y a sur la tête de Bravo. Le problème c'est que t'en as pas forcément conscience de ça. Tristana. C'est compliqué, mais au moment où il y a le 2-2-1 et que toi tu es un 1, ouais. Tu peux gagner des fights, faut que ton adversaire fasse des erreurs.
Ça ah fait... oui, non, c'est ça. Bah, faut faire langage de ouf quand l'autre ne regarde pas et est mal placé. Et ça n'arrive que très rarement quand même à ce niveau-là. D'ailleurs... Sachant que Forte est de base c'est le même niveau. Donc, je vais dire, peut-être que Ram Forte est meilleur, mais pas forcément. En tout cas, là, les deux joueurs qui montrent que voilà, c'est chacun leur game. Oh, il va y aller comme un bourrin Forte. Il y a tellement de marines. Bravo, avec 16 marines dans ces pauvres Medivac. Se fait sanctionner immédiatement toute sa population en bas. Et comment tu descends ta rang maintenant, Céleste, ta gold exposée. Oh là, le tous les civils qui repair. Faut repair. Et là, les tanks qui sont peut-être. Non, qui sont pas du tout exposés, qui sont juste bien, juste là où il faut pour mettre les méga shots. Et là, il y en a que 3. Hein, ça meurt pas. Tu peux quasiment. Voilà, tu peux dropper dessus. Il y a plus de marines. Bien joué, ça. Oh, ça, c'est bien joué. Faut attaquer avec les civils. Hein. Faut faire un truc. Ah non, il remet les civils au réparat, à l'abominage, il perd tous ses marines. C'est ça, ça va hold dans un premier temps. Le problème c'est qu'il y a une espèce de train bleu qui arrive, un train bleu qui est tout simplement deux fois supérieur en nombre à la pop de Bravo qui va s'incliner dans cette deuxième partie. GG. GG, Forte qui revient à partout. Damn, that's good. Petite micro-tank à la fin dans le Medivac, tranquille, avec les pinceaux. Et Forte qui revient un partout et qui confirme ce qu'on pouvait penser avant ce match relativement serré. Pour l'instant, on a eu deux games où voilà, ça joue assez agressif. Et du coup, logiquement, ça se plie en mid-game. Puisque quand des deux côtés, ça joue agressif, il faut que les deux joueurs s'infligent autant de dégâts pour que tu aies un vrai mid-game stable. C'est ça. Assez improbable. Surtout en début d'extension, mais même sur Heart of the Storm. Hein, s'il y a deux joueurs qui ouvrent une base et qui commutent vraiment sur une base... La probabilité de voir 6 essais en tout dans la partie est assez faible. Et très très faible même. Non, clairement, c'est... Et puis Trion de Pteras, bon, tu dépasses pas les 3 bases en vrai, quoi. Non, oula. C'est ça, et surtout tu dépasses rarement les 2 CC. Alors on a vu Forte Salvation, du coup, c'est la même personne qui était très très bien dans sa game, qui s'est permis de payer un 3ème CC, mais c'était pour la forme. Il payait le plus d'attaque. Ouais, c'était pour la forme, vraiment, ce 3ème CC. Toujours est-il qu'il y a un partout entre Bravo et Forte, les amis. Petite pause, du coup, qui s'enclenche. On se retrouve dans 2 petites minutes pour la suite de ce BO5 entre ces 2 Terran. A tout de suite. A tout de suite. Et rebonsoir. Rebonsoir tout le monde. Pour le coda. C'est ça. Il faut savoir qu'ici, un caster sur deux n'assume pas son pull. On vous laisse demander. Mais non, mais j'arrive, je dis à Imri, il fait froid, j'avoue, je te vois mettre ton pull, c'est bon bail, mais si je mets le mien, c'est bon quoi. Le chat, on gagne 2000 viewers, je pense. Comment ? Je pense qu'on double, on tweet, on fait un event. Genre, dans 20 minutes, Koka met son pull, vous faites un petit buzz. Ouais, je peux aller chercher tout de suite là, tu vois. On peut s'arranger. Mais je pense pas. Effectivement, la technologie qui est arrivée sous la forme des LED, qui fait qu'il fait froid en hiver. Là où avant tu étais dans un micro-ondes en permanence sur le plateau de Cast. Ouais, et l'été tu pleurais. C'est ça, mais du coup je milite pour... Mais finalement un caster se plaint tout le temps. C'est vrai ça Alex Kiff, non ? C'est comme un joueur. C'est chiant un caster. C'est une princesse. Ceci dit, avec Alex Kiff on a le réalisateur qui se plaint. Donc, ouais, là, c'est vrai que là on a le réalisateur qui pleure aussi. Le PC, l'écran ne marchait pas alors qu'il marchait il y a 10 minutes. Forcément quand t'es rat tu pètes un câble dans ce genre de cas. C'est ça. Bon, j'ai mon écran qui marche pas, il marchait hier soir. Coca me dit qu'il l'a allumé il y a 10 minutes, l'ordi qu'il l'a rééteint et que ça marchait. Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? La magie de la technologie, bien sûr. Il se passe qu'on arrive quand même à commenter le coda. Du coup, Forte et Bravo qui sont à un partout, désormais dans un match assez serré où pour l'instant on a eu vraiment la version PPR, j'ai envie de dire. Où, tu tapes, tu t'agresses très très vite. Et là, on va jouer sur Dust Towers, le moment où tout d'un coup la vraie macro game est possible. Uthermal lui-même, pourtant Terran bien agressif devant l'Éternel, dit non, faut pas jouer 5 racks sur de base sur Dust Towers, ça ne marche pas. Ouais. Ce qui, pour le coup, Uthermal, genre poser un 3ème saucé, quel que soit le match-up, t'as l'impression que ça lui arrache un bras. Ouais, c'est vrai. Attends, j'ai pris un avantage, tiens, je rajoute des racks et je vais te tuer. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, je sais pas qui va gagner ce BO3, ce BO5, honnêtement, c'est un peu compliqué. Parce que vous faites bander tous les deux. Ouais, par contre, le frisome, c'est un peu plus cher quand même. Ah oui, oui, c'est toujours Beggar Skin. Ah, c'est ça. King, bon, quand même, il te trouve plus sexy, il dit ça, mais bon, il a fait une donation cato au début. Beggar, ah, je m'en tiens, c'est tout. J'espère que t'as retenu le nom de ton. C'était Shrom 59. Exact. Non, mais t'as bien fait parce que sinon, je t'aurais souillé. Ne jamais faire d'erreur avec him, ok? Le stream s'arrête à quelle heure ? Le stream s'arrête au plus tôt à 23h. On a 3 BO5, il est 20h50, on est à la moitié du deuxième, donc on aura probablement des game subs après, mais voilà. Game viewer tranquillement. Si on prend un live à 1h normale, donc pas comme hier, on a pris à 16h, mais genre 19h, on finit à 23h. Est-ce que t'es vraiment ok ? Coca qui tente. Non, j'ai pas testé ce morceau de pain. Ah, t'es sérieux ? Déjà, tu l'as tripoté, t'as retiré une lamie.
Coca qui va laisser aller. J'ai déjà bouffé des morceaux de pain comme ça. Ouais, mais pas celui qui a traîné sur le plateau. Non, c'est vrai que celui qui a traîné sur le plateau. Tu sais, des fois, il y a Rembobinator tout seul le soir. Il y a Yata. Et il y a un trou dans le pain. Ouais, il y a un trou dans le pain. Et il est pas très gros. Bah, mais c'est, après. C'est pour Yata. C'est ça. C'est complètement pour Yata. Ah non, j'avoue, je mangerai jamais ce morceau de pain. Réflexion faite. Confirmation, confirmation du réa, bien sûr. Et c'est parti. On est dans la game, les amis. En haut à droite, il me risque que je te le laisse. Je te laisse. Si tu veux, Team Samsung Galaxy Can. Bravo. Meilleure présentation de l'année, bien sûr. Ah là, j'étais prêt, hein, l'Ops, là, carrément, j'ai fait mes petits tours. Non, pas du tout. Et en bas gauche pour la team Maru. Non, MVP Chicken Maru. Il s'agit de Forte. Ah, c'est pour ça, en fait. Tu voulais présenter le fameux. J'avais envie de le dire une fois. Et du coup, MVP Chicken Maru, c'est le petit badge jaune que vous voyez au-dessus. Enfin, Chicken Maru. Qui était déjà sponsor, et... ouais. Parce que là, le maillot a pas changé du tout. Non, bon, gros maillot, j'ai envie de dire. Quand tu fais aussi simple, tu ne prends pas de risque. Ouais, clairement. C'est vrai, c'est vrai. Nouveau Gas First pour Bravo. Et face à lui, on est à nouveau sur un départ Reaper. Alexis qui pète une durite avec Coca, ce qui fait que je me sens seul. Mais en fait, c'est parce que quand le Réa parle dans le micro ou fait du bruit avec son micro, eh bien, nous, ça coupe dans notre oreille et on ne s'entend plus. Et du coup, quand il se lève pour aller pisser comme là, bah nous, on s'entend que dalle. Il y a Imri qui parle et ça fait blablabla. Alors, c'est pour quand le code S? On a encore un mois, du coup. Enfin, c'est un mois. Petit mois. Okay. Début février, on finit le coda. Ouais. Courant février, on entame le Codes, on entame les choses sérieuses. Faut savoir que là, on a des matchs dignes de finale. Hein. On a un Zest Maru qui est caché dans les matchs de Coda. Et si, ouais, Zest et l'OTV, je dirais pas que c'est final, hein, mais il est pas tant. C'est... Après, Zest, il y a 3 mois, c'était nul à chier. J'ai grand espoir qu'aujourd'hui, ça ne se va plus. C'est vrai. Et il est Protoss. Et il est Protoss. En TV. Et Zest abuse des bonnes choses. C'est ça. Et crée des bonnes choses aussi. Donc bon, on va voir, c'est vrai, tu as raison. Ne vendons pas trop la trop vite la peau du Zest avant de l'avoir tué. Ici, deuxième gaz a pris assez rapidement. Ça, c'est pas ton BO double Reaper. Ah non, non, c'est le. C'est, quoi, c'est le même. Quoi? What? Il fait un réacteur. Après un Marines. Et j'aime vraiment ce que fait Bravo dans le sens. Il scout, il fait un gas first, il joue pas Reaper, mais il scout donc. Il confirme pour la deuxième fois de suite que c'est une Reaper expand sur son scout. Et du coup, variation, ce coup-ci, le petit réacteur. Ça Alors, il y a un 12ème gaz. Donc en fait je sais pas ce que c'est. J'allais dire, ça ressemble à un 1-1-1 avec un drop. Pour Forte tu parles? Pour Bravo. Ah pour Bravo. Forte aussi hein, c'est... Ah ouais mais Forte c'est plus la standard ça, ouais, c'est le plus Reaper. Classique, c'est le deuxième gaz pour peut-être la Banshee ouais. Faire le petit cyclone. Alors attends du coup ici... Non mais ça va être un Banshee amené différemment. Peut-être. J'aimerais bien près... Ouais je sais pas. Ça me paraît bizarre, le timing est pas... Après ça peut être... Pas huilé quoi. Ouais. Et Lyon. J'allais dire, ça peut être aussi un 1-1-1 complètement dégueulasse avec un drop tank. Ça peut. Parce et c'est en tout cas ce Reaper qui va scooter. Oui, mais là, c'est tard pour scooter. Tu comprends pas vraiment ce qui se passe. T'es sur le même timing de Spatioport. Après, ce Reaper, s'il arrive à régénérer un peu, il va pouvoir voir ce que fait le Spatioport parce qu'on a un tank, effectivement. Et on parlait de jouer une macro game sur. Une macro game sur Dust Tower. Ça va être compliqué de jouer une macro game quand même, j'ai l'impression, vu l'opening de. De Bravo là. Bravo, il est pas là pour enfiler des perles. Il a un vieux Spy Dog d'ailleurs, défoncer, qui fait tellement mal. Ouais, clairement. J'avoue, pendant qu'il gère ce Reaper. Oh, il est horrible ce Spy Dog. Genre. C'est deux Marines de moins, ouais. Bah, pour moi, t'as pas trop le choix, faut les attendre. Bah, ouais, faut remplir ton Medivac au bout d'un moment. L'idée, c'est de faire une espèce de drop 4 Marines, un tank. Ok, et derrière, est-ce qu'on ferait pas un Raven? Ça colle avec ses ressources, le corbeau là. Corbeau. Non, Cloak. Banshee Cloak. Oh, vraiment, les Banshee Cloak improbables. Ça c'est la Banshee Cloak qui fait 4-5 kills parce que t'as rien prévu quoi. C'est ça. C'est Je dirais presque mes Banshee Cloak favorites, les Banshee de fourbe. Le contre-timing. Ouais, l'oracle. Le pire c'est l'oracle. Timing bazar. Non mais tu le connais, l'oracle contre-timing qui arrive à n'importe quel moment là. Bah ouais, maintenant t'es obligé d'avoir des unités de partout donc ça va. C'est vrai. T'as ton cyclone d'un côté et tes marines de l'autre. Alors on va voir s'il arrive à gérer cet opening. L'idée c'est tu viens en amenant tout et ensuite tu gères ton tank avec ton medivac bien évidemment. Maintenant la pression est pas folle. Le cyclone, faut absolument pas qu'il ok à marine ce cyclone. Faut savoir que le tank en mode siège est super bien contre le cyclone. Ouais. Et là la pression est réelle. Hop là. Gratuité. Ouais mais par contre il y a un viking quand même. Attends mais le viking qui est en train de... Il prend trop cher, il prend beaucoup trop cher. Ah dommage. Qui tombe, dommage. Mais là pour l'instant il faut reaper tout ça là. Donc ça va permettre à... Ah bravo de faire un peu plus de dégâts. Ouh, le Hélion qui arrive dans le bac et qui tempo bien. Ça c'est cool. Ça tempo un choc de tank. J'allais dire. Ressemblait à un beau F2 ce Hélion. Ouais, non, sincèrement c'était le F2 ça.
problème de Bravo là, c'est très très sympa son agression. Il n'inflige pas de dégâts. Il tue des il tape les bâtiments là. Ouais. Oh là là, il va se faire nettoyer salement. Attends, s'il décale son tank, ça peut, il peut faire quelque chose. Ouais, pas. Oh là là. Oh le cyclone. Le cyclone qui est sorti, on l'a, personne n'avait vu quoi. Et là il y a une banshee qui arrive, mais il y a une tourelle. Et il y a un cyclone et un viking. Ouais, en même temps, avec ce qu'il a scouté, t'étais obligé de faire des tourelles, hein, je veux dire. Ah mais même il l'avait vu en fait. Ouais. Genre là il a scanné, il a vu un tech lab sur le tank sur la facto décalée, donc ça veut dire que le tech lab d'avant n'était plus utilisé, que le spatioport s'était mis dessus. Attention ici, la banshee, qu'est-ce que c'est. Elle sort. Mec, c'est tellement fail. Ah mais là, voilà. Regardez les ressources perdues en bas. Et le problème c'est que celui qui a perdu toutes ses ressources, c'est le mec qui a le moins miné. Oh là là. Et il repart bio. C'est presque la game qui me donne envie de partir mecha, dans le sens où je suis tellement derrière que j'ai pas envie de jouer contre bio. Viens, fais un full marine, ne scanne pas et j'arrive avec plein d'élions flambeux et on regarde ce qui se passe. Et on voit ce qui se passe et on voit si on peut remettre la gamme dans l'autre sens. Il y a un tank ici qui vient. Mais attends, il va péter. Tu peux même casser la rax à ce niveau-là. Il a pas la portée sur le réacteur. Oh punaise, il denied de rax. Mais tape le réacteur. Ouais, ça fera des dégâts à la rax en même temps. Puis le réacteur, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ah bon, c'est cool, il y a un viking qui sort quand même. Ici Banshee qui fait 2 kills de. Non, un kill. Hein. Les deux SCV qui sont morts, c'est ceux de Bravo. Ah oui, c'est ceux qui étaient. Le pauvre Bravo, il n'y a rien qui lui réussit dans cette game. Ah, c'est la détresse là pour le joueur de chez Samsung qui, tout simplement, a tenté une opening agressive sur une map faite pour jouer des macro games et on a payé le prix. Là, c'est Funka Yogo là. Ah, c'est pareil là. Ouais, la game 1. Ouais, même la game 2. Hein. Ouais, c'était pseudo close. Ouais, la game 2, il y a eu une tentative, j'avoue, avec les Lions. Pardon. Ne critique pas mes talents de coach. Ouais, c'est vrai que c'était ton idée. C'est pas passé. Hein. Tu sais que ça m'a fait psychoter le. Genre, j'ai pensé pendant 3 heures à Yogo après. Et à comment lui éclater la rondelle en. dans la prochaine phase, si jamais TVZ. Tu perds bouilleux. Non, si je le joue plus tard, mais je me suis dit aussi, ça serait bien de me concentrer sur mon match contre Pouilleux, justement, tu vois. Ouais. Parce que pour le coup, ça va pas être le même style. Hein. Il va y avoir un peu moins de base et un peu moins de Zergling. Fais pas des lions flammes bleues là. Ah bah, je suis même pas sûr qu'il fera un bending. Hein. Il fait vraiment pas de bending, Pouilleux. Bah non. C'est vraiment un porc quoi. Il fait des roaches. C'est vraiment le Zerg sans âme. Puis des infestateurs et ensuite des ultras. Oh mec, j'ai pas envie de jouer contre Pouilleux, mais je suis contre. J'ai pas envie que tu gagnes Pouilleux en fait, parce que c'est là que j'ai une chance de me le taper. Je vais jouer contre toi vraiment un TVT. C'est pas grave, hein. Par contre, ce qui est drôle, c'est que si tu bats Pouilleux, il est au fond de sa vie. Ah oui, non, mais là il revient jamais sur Roger, hein, si je le bats clairement. Il reste. Il va émigrer, c'est plus loin que Grenoble, genre. Non, là il va quitter la France. Dans le Vercors. Il va arrêter StarCraft, switcher sur Hearthstone. Alors, dans tout ça quand même, c'était une game. Et Bravo a remis les choses dans l'ordre. Le problème c'est qu'il vient de faire un double drop qui est passé au-dessus de la marine. Et j'ai envie de dire que ce double drop, c'est le cyclone. Ah, il crame le cyclone, bon ça vaut presque le coup. J'ai envie de dire le timing est presque passé pour ce genre de choses, dans le sens où si tu double drop pas, ça c'est déjà un peu mieux. Mais si le mec a ses tanks dans les medivacs, il te compte super facilement en fait. C'est triste. Ouais. Mais il y a le viking à droite par contre. Ça sera vu à un moment. La question c'est, est-ce que ça sera pas trop tard? Bah là tu boostes et tu passes à travers speaking hein. C'est ça. Et il est de l'autre côté de la carte, bravo. Oh c'est tellement triste. Là il y a quand même deux tanks siège ici dans les medivacs. Après est-ce que t'as envie de booster? T'es devant, c'est un bon moyen aussi de. Allez fonce. Non. Il y va. Oh là là. C'est bien anticipé, il va dropper en premier, le problème c'est qu'il y a des marines qui vont sortir. Alors là faut reculer tes tanks, recule tes tanks, voilà. Hop, il a pas eu le temps de tirer par contre et les tanks sont quand même à portée des marines. Oh là il est en train Salvation de qui détruit Bravo. Ah il est en train de le démonter là. Oh y'a maintenant c'est le drop de l'autre côté qui va être en porte. Oh là. G. Catastrophe. Ah là Bravo il s'est fait démonter la tronche en catastrophe, début total, avec 34 SCV à 66, 36 de pop à 70. Rien ne fonctionne pour Bravo dans cette game 2 IB qui ne tourne même pas en vrai. C'est pas il y avait 20 pop. Il y avait 20 pop d'écart il y a 30 secondes, il y en a 70. Ah ouais. Il joue bien Salvation hein, par rapport à Forfait, par rapport à Bravo vraiment. Il joue beaucoup mieux. Il y a rien à dire hein, sur sa victoire sur cette map là pour l'instant. Il joue vraiment mieux ici, il perd ses unités. Puis il joue solide quoi, genre le build macro par excellence en TVT actuellement et il joue solide et il n'y a rien à dire, s'il gagne c'est parce qu'il joue bien avant tout Salvation. Et c'est vrai qu'on avait une interrogation sur son niveau, bah tu vois c'est pas encore parfait, genre il a un peu de mal à dépenser sa thune. Il y a des erreurs, c'est pas marrant, mais c'est déjà chicken marron, donc c'est pas mal. C'est ça. C'est poulet marron. Et les plans de jeu sont très bons quoi. C'est ça.
Ah, j'avoue qu'au moment où il y aura Jiner en MVP en Pro League, on va bien rigoler. Ah bah oui, non mais là c'est ça, mais... et puis sur un format all kill où t'as Maru qui enfile tous les chicken Maru, tu sais. C'est ça, avec Ponf au commentaire tout seul, solo cast. Et là tu trouves des trucs, là il y a des trucs qui vont sortir, des perles du commentaire français qui vont bien sûr popper. Alors ici il y a que deux pauvres tanks, on va dropper un de go comme un sac, on en perd un quand même directement. Mais il y a tellement de marines, c'est une pauvre banshee, il va falloir la fumer, voilà c'est fait. GG de la part de Bravo, Salvation, pas le temps quoi. Ouais, pas le temps sur cette minutes. Game. Pour l'instant, on n'a pas dépassé les 12 minutes de jeu, je crois, sur ce BO3, BO5. Ce qui est un peu triste, je trouve le quand tu arrives à sécuriser 3 bases et que tu commences à produire, je trouve ça vraiment intéressant. Mm. Le TVT, maintenant, il faut 2 joueurs vraiment d'un niveau équivalent, ça n'arrive pas toutes les games. C'est assez rare. Et surtout que bah, voilà, des bons joueurs pro, en fait, Terran, sont capables de tuer leur adversaire. Là où toi tu fais tes Terran, tu fais tes games de ladder, souvent celui qui prend l'avantage a du mal à finir. Et ensuite tout est possible puisqu'il y a des tanks, il y a des marines qui meurent très très vite et des prises de fight toutes les plus dégueulasses les unes les autres. Oh, moi ça va en TVT, je fais des bonnes prises de fight, mais après c'est plus ma macro qui est puante, qui est nulle à chier. Mais non, l'autre jour j'ai arnaqué un mec, mais je te l'ai dit, j'ai pris la gold cachée sur le Reyna, le coup de la map. C'est ça. Après avoir raté un triple Reaper. Les histoires de ladder de Coca, c'est un peu comme si le petit poussé se trompait de chemin, mais arrive quand même à destination à la fin. C'est ça, mais moi en fait, c'est pas beau ce que je fais, tu vois. C'est pas beau, mais c'est marrant, tu vois. Et ça gagne. Ça gagne, ça gagne. Ça arrive à gagner jusqu'à un certain niveau, on va dire. Mais ça, c'est assez marrant. Moi, de toute façon, je joue à StarCraft pour m'amuser, et du coup, forcément, c'est peu conventionnel la façon dont je joue. Du coup, la demi-finale de. Tiens, ton objectif en OGSL. C'est arrivé en demi-finale. D'accord, c'est ça. Après, je m'autorise à perdre. Après, mais me dire, j'ai fait deux demi-finales, la première en jouant off race et la deuxième alors qu'il y avait tous les grosses brutes, ça me va, tu vois. Je me dis que j'ai bien, je me dis que ça va, je me débrouille. Effectivement, c'est vrai que t'étais Zerg la première. Bah ouais, bon après, il fallait juste passer les poules et arriver en demi-finale, mais malgré tout, c'était Zerg contre toi et TKL. Donc, c'était les main races quand même en face. Ceci dit, j'avais battu TKL en PVP. Oui. Un de mes grands souvenirs. Moi, je l'avais 3-0 en Zerg. Donc. TKL qui a bien progressé depuis aussi, en plus il était dans le chat du coup. Après être souillé, on passe quand même un petit peu de brosse à reluire dont aurait bien besoin ce joueur. Samsung Galaxy Can, bravo. Bravo qui déchaîne la foule. Ouais, clairement c'est la foule en folie, mais nous aussi hein, d'ailleurs. Et en bas à droite, pour la team Chicken MVP Maru, raté, il s'agit de Forte. On est fait dans le mauvais sens. Et on récupère. Bah non, mais il n'y a pas de son, c'est bizarre. Ctrl S. Tu aurais pas. Non. Sound disable, enable. I don't know. Fantasy. Fantasy. Pour toi, Kokia, pour avoir gagné l'Archon. Épique, c'est vrai que ça c'était épique. Merci à Beggar King, c'est vrai que c'était des belles games. Ouais, non, mais c'était une belle game. Ça va être très rentable pour la TV, je veux dire, le complot a parfaitement marché. Et même 2 mois plus tard, ça fonctionne toujours. Exactement. Non, mais Coca qui avait très bien joué. Ouais, non, c'est sûrement. Tu as surpris, je te pensais beaucoup plus nul que ça quand même. Ouais, ouais, non, mais j'ai senti que j'ai grandi dans ton estime depuis cette game. Exactement. Et bon. C'est pas pour me déplaire. D'accord. Et je dirais même que tu partais pas de si bas que ça quand même. Donc c'est pas mal. Donc ça va, tu vois, ça passe. Ouais, non, parce que si t'es vraiment au fond, tu vois. Non, mais c'est quand je vais te battre. Si je l'estime que j'ai pour le skip de brioche à StarCraft. Bah. C'est triste. Mais non. Brioche qui. Brioche qui fait Nexus First into Proxy 3K. C'est ça, c'est-à-dire, il y a une chose entre mal jouer et faire des choses. Mais il était sous coke, c'est pas possible. Si tu n'es pas. Drogué et non consentant, il n'y a pas moyen de en fait, faire. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a la première partie de la réflexion. C'est-à-dire, dès qu'elle me connaît, c'est que je suis macro. Donc je vais feinter la macro et partir très agressif. Donc la première logique, très bien. Donc je vais faire ça et là tu te rends compte que c'est débile quoi. C'est ça ne fonctionnera jamais dans aucun StarCraft de faire ça quoi, tu vois. Et c'est juste trop marrant, je trouve. Il y a que quand ton petit frère de 2 ans que ça peut marcher. Mais même pas, parce que le petit frère de 2 ans, il va pas comprendre que ça part macro, tu vois. Mais genre t'arrives avec tes zélotes et tu t'es pas dit, t'as pas fait la réflexion du. Mais moi ça m'est déjà arrivé, tiens vas-y, je vais proxy triple reaper un protoss et tout et faire un bunker et là après il y a mon bunker, je me dis c'est bon, j'ai gagné, je suis bien et il y a un momocore. C'est exactement la même situation, le truc tape dessus et tu mets SCV donc ça marche plus. Voilà, c'est la même chose. T'as tes zélotes, c'est cool, mais il y a un momocore et des pylônes, donc ça ne sert à rien. Alors t'as tes 3 gates proxy, maintenant tu fais quoi? Bref, brioche qui nous a fait rire. Ouais, et t'explique ça en étant convaincu que ça peut marcher. Hein. C'est ça, c'est le meilleur. Plus drôle. C'est un moment. Ici, bravo qui est parti sur une Rax Expand à poil. Tu fais, tu prends tes 2 gaz très très vite, tu fais tes 4 marines, une usine,
un réacteur. Et c'est presque le bon call du coup, puisqu'il est en face d'un. Ou allez, Ivaresh. Ivaresh, ça fait longtemps qu'il est sub aussi. Ouais, ça fait 6 mois désormais. 6 mois, Ivaresh. Il est en face d'un Forte qui l'a un poil trop dans la répétition, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Bah, c'est 3 fois de suite le même build. Là, il y a une variation avec un petit Hélion, mais c'est une Reaper Expand avec un Marine en backup. Et du coup, tu peux te faire un petit peu outgrid. Ceci dit, vu que le CC a pas été posé sur le sol, au final, il se met bien. Ouais, clairement. Salvation. Bah, Salvation, finalement, il va avoir son CC qui va. Qui est déjà posé, terminé, et ouais. Qui maintenant a le même nombre de péons. Et ici, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il le pose pas? 20 sur 16, il pose le 3ème CC, je comprends pas. Je pense qu'il attend son cyclone, parce que le problème c'est qu'il y a 4 marines, t'es vraiment à poil, il vient de se débarrasser du. Ah, donc là il voit le Reaper, il comprend tout, c'est ça? Ouais, du SUV, mais je trouve ça dommage, je pense qu'il vaut mieux en fait poser ton CC, low ground directement, et faire un bunker. T'assumer en fait. Te dire, ouais, je vais payer mon bunker, mais au moins j'utilise mon CC. Là, au final, son build est moins bon. Ah mais là on est toujours sur la théorie du cul entre deux chaises qui n'est pas bonne sur Starcraft quoi. Ceci dit, cette toile font un peu fiotte, enfin pas fiotte mais genre je me chie dessus. Et là ça scanne et on comprend que en fait on s'est vraiment chié dessus pour rien. C'est ça, et le scan qui arrive à temps parce que si tu finis tes trois tourelles c'est quand même un peu la loose. Hein. Il va en laisser une se finir je crois. Ouais, qui pourra possiblement servir un jour ou l'autre quand même je pense. Pour le bon Forte. Et du coup, il n'y a pas. Alors, pour la Pro League, effectivement, il n'y a pas d'annonce. Il y a des petites discussions sur le chat. Maintenant, la saison avait été vraiment confirmée avant. Et je pense qu'il y a plus des vraies questions sur le nombre d'équipes. Notamment, est-ce que la Caspa monte une 8ème équipe à l'arrache, comme ça avait été le cas pour Teammate? Pour Sbenu aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour Sbenu, sachant que Sbenu, normalement, startait le Legend qui leur coach, était confiant hein, pour cette année. Là, ils reproduisent, ils reviennent Sbenu. Ouais, ouais. Là, ils ont perdu des joueurs. On est d'accord, Myunxi qui est plus Sbenu. Myunxi qui est plus Sbenu, et même plus Sbenu, ils ont recruté 2-3 personnes. Il encore. Ils avaient un énorme roster. Ils ont plus DRG aussi. Ouais, DRG il est chez Invasion, non? Non, il est où? Il est pas revenu en Europe. DRG, il voulait jouer en Europe. Vu le changement de WCS, ça va être un peu compliqué, donc ils cherchent une team surtout. D'accord, ok, ça marche. Alors, oh là là. Genre, t'as laissé une tourelle se finir, c'est la bonne. Hein. C'est la bonne. Et là, tu ramènes ton cyclone. Et tu lock. Un marine. Ceci dit, ça fait un kill. Ça fait un kill, ça fait un mec qui n'a pas tué des civils. C'est toujours ça de prix. Pendant ce temps-là, t'as ton drop qui, lui, n'est pas attendu par une tourelle mais par un cyclone. On va voir un petit peu ce que ça donne ici. Attention, il y a que 6 marines. Est-ce qu'avec 6 marines, il fait deux fois plus que. Allez. Et là, tu vois la force du Medivac contre le cyclone. Pourquoi c'était le bon call de pas target le cyclone de la part de Salvation de l'autre côté? Et ça, c'est presque les petits moves qui rend confiant en fait pour Salvation. Genre finalement avec un drop avec 6 marines il fait plus de dégâts. Clairement. Il prend 2 SCV là où en face lui il a tué un marine. Donc très très bien joué de la part de Salvation. Maintenant. Il est à la retard, c'est marrant parce qu'il a moins. Il fait des petites erreurs dans le macro du coup parce qu'il en tue 2 mais il en a 2 de retard alors qu'il en avait autant que tout à l'heure. Il a peut-être cut un peu. Est-ce qu'il a un troisième Oui il a un troisième CC. Un peu. Il a le troisième CC beaucoup plus tardif aussi, ouais. Hein. Ça fait un quart d'heure que le troisième CC a été posé. Exact. Et bravo, là il joue vraiment le style du gros sac quand même. Je fais 3 CC sur un 1-1-1, je pose 2 IB. Est-ce que ça te rappelle pas un truc? Et je fais 4 axes. Ouais, ça me rappelle le style de jeu de Coca, bien sûr. Aïe. Mais Salvation, il fait pareil, il va plus vite, il a ses améliorations beaucoup plus rapides. Il a un vrai déficit de Rax par contre, il y a 4 Rax en train de se. Ah non, j'ai rien dit. Non, il y en a 2. J'aime bien ce qu'il fait en fait, je le trouve, franchement, je pense qu'il est devant, à part l'écho où il s'est fait arnaquer par le 3ème CC rapide. C'est ça, mais c'est 2 SCV, hein. C'est vraiment pas grand chose. Mais voilà, Salvation, il a regardé Nuit Blanche, Imre et Aeromi contre Coca, il a compris, tu vois. C'est putain, mais c'est génial ça. Ouais, ils sont tellement rapides ces upgrades. Après, maintenant, t'es en grosse pause sur Ruine de Serras et c'est bien, mais ils t'ont timing attack de l'autre côté de la map. Ah oui, non, mais clairement. C'est pas fait. Ouais, il va allez, attention ici. Allez, tue le Medivac, c'est vraiment cool de pick up ce genre de truc. Maintenant, faut aller défendre. Ils sont où les unités? Oh, il gère la reprod, très très bien joué. C'est pas mal ce que fait Bravo aussi, je trouve, s'il prend 2 SUV. Ah, focus, mieux. Non, il en a pas pris. Il en a pris un seul, je crois. Il y en a un qui est tombé là-dessus. Ouais, il a l'air de venir remplir son gaz au vu des trajectoires. Et du coup, ouais, il y a. Oh. Je pense qu'il peut le choper. Non, il veut pas. Il a voulu, mais il l'a pas fait. Ouais, il l'a pas fait, attention. Sauf ce marine. Monte-nous. Le skill. Raté. C'est pas évident.
Mais bon. C'est à la fois pas évident et ces petits moves qui font qu'à la fin t'as 10 mana. Si t'es vraiment miroir, c'est les moves qui font qu'un innovation se retrouve avec 10 marines de plus que toi. Parce que tous ces marines, tous ces marqueurs, il les a pas perdus, tous ces marqueurs, il les a pas donnés. Maintenant voilà, la phase de jeu qui va être déterminante. Regarde et ça, c'est TY qui a montré ça. Depuis tout le monde a copié, mais vraiment tout le monde. C'est ça. Tu mets deux tanks dans des medivacs et tu joues avec. Genre, j'ai joué Bunny récemment en ladder. Tu joues des mecs et il t'a chié dessus avec ça. Et il m'a tué avec deux tanks. Genre j'étais devant parce que j'avais fait un build ultra greedy et que j'avais un peu plus. Puis ensuite il y a deux tanks. Oh là 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 là. Et j'ai donné genre 3 tanks et 15 marines. J'avoue que j'aurais envie de le buter. Sur deux tanks. Mais non, mais et il a même pas streamé après en plus, donc voilà la douce quoi. Tu te rends compte vraiment que t'es une merde quoi. c'est ça. Mais t'as passé ta vie à jouer à ce jeu et t'es vraiment nul à chier par rapport à ces mecs là et c'est vraiment vexant. C'est frustrant. C'est aussi ce qui fait la beauté de StarCraft du coup, c'est le ça. Jeu qui te rappelle que t'es mauvais. C'est ça, non mais c'est vrai, faut pas craquer. Et ici on voit que du coup, on est dans la game là, on a un 2-2 qui est envoyé ici, l'armurerie n'est toujours pas terminée, donc un petit un peu d'avance c'est... toujours pour forter. Après si Bravo on voit bien les degrés tout de suite, ouais, l'avance sera négligeable. Si on peut faire un petit U. Un petit U. Très rapidement, les 7 tanks à 5, c'était voilà. Les 7 medivac à 7. C'est les chiffres à regarder, c'est medivac et tanks. Les marines c'est pas très important en soi. En fait, les marines ça devient important quand t'en as plus. Ouais. Mais je suis entièrement d'accord avec ton analyse. Hein. En le soi, tank, c'est pas c'est le tank qui te fait gagner. Parce que le Thor tank. Le tank Thor. Ouais. Voilà. Et que du coup, c'est mieux d'avoir d'avoir à la fois Carapuce et Thor tank dans ton équipe. Exactement. Que Charizard. Exactement. Si on regarde la vision, je crois que en termes de vue, il est en train de se faire outplay. En fait, c'est un truc très très con, mais la vision, bravo. Voilà. Reclus dans sa base. Alors qu'en face, il a toutes les Xel'Naga. Comment tu laisses toutes les Xel'Naga à un seul mec en... Ah oui, pas non, l'autre, il voit toute la carte. Hein. Mais non. Et ça, c'est horrible. Il va voir ça. Parce que ouais, ça, tu peux pas le rater. Il y a un double drop qui est là. Après, je sais pas, ça passe. Non, ça passe pas à droite. Ouais. Ça passe pas ? D'accord. C'est, tu le vois faiblement, mais ça passe pas. Non, mais. Oh, et là, il le poke depuis tout à l'heure. Et genre, Forte, ce que ça lui coûte, en fait, c'est sa macro pour l'instant. Parce qu'il en chie. Là où Bravo dépense vraiment bien sa thune. Ouais. Mais à part ça. Allez, attention, ce ça a été vu. Oh, il a été vu à l'Axel. Il a attendu. Ah, quand même. Non, ça a quand même mal se passer pour Forte ici. Ouais, tous les marines avec le. Après, il y en a beaucoup, par contre, la concave est dégueulasse des deux côtés. Il n'y a pas de medivac, donc c'était vraiment pas mal. Il tue un dépôt. Il se fait nettoyer. Il génère du dégât. Et ici, on va générer beaucoup de dégâts. Allez, j'ai l'impression qu'il y a deux drops. Ok, ça c'est pas mal. Par contre, la combinaison là du tank et du cyclone assez efficace, mais on va dropper directement sur le tank. Ah ouais, Forte qui joue bien. Hein. Impressionnant le joueur de chez MVP Chicken Maru dans cette partie. Ouais. Et là, ça c'est bien. J'allais dire. Target le medivac en premier. Parce qu'en vrai, le medivac fait quasiment la diff déjà de base. Et en plus, ça te permet de gratter toutes les unités. C'est ça. Puis ça, sinon, ça assure que le truc va revenir. Alors là, on va voir s'il joue bien. En fait, là, c'est le moment où tu testes le pro gamer. Et le test va être échoué. Attention, au centre. Et. Alors, il est en train de se faire défoncer, bravo. Attention, là quand même, sur la deuxième partie de la fight, ça s'est mieux passé pour lui. Mais là, les upgrades, le 2-2 qui est terminé là. Ah, il est pas terminé. Mec. Oh là là. Il vient de lui mettre 20 pop d'armée dans la tronche. Ici, ça c'est quoi? C'est des petits marines qui courent. Et Medivac, lui meurt. Ouais, il passe au-dessus. Faut le prendre. Bien joué, bien sûr. Non, voilà, on va avoir du mal à se tuer. Un P4 déjà posé, ça c'est très très bien pour Forte. C'est dur de poser des passes en TBT puisque t'as envie de faire des unités. Et ça, il est bon là-dessus. Ouais, 3-3. Coup, ça, j'aime les joueurs qui font le choix de faire leurs upgrades mais qui chient pas derrière. Quoi. Et qui, le 3-3 sera fini, on sera à moins de 15 minutes. C'est vraiment très 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 rapide ici. Il y a un autre medivac plein, un medivac qui dort ici. Alors, ce coup-ci, il n'y a plus le marine sur Xel'Naga. Ah ouais, j'ai l'impression. Soit il s'est fait virer beaucoup de vision. Ouais, il a rajouté les tourettes, sinon F2, tu penses ? Non. Ouais, mais dans tous les cas, il vient de perdre énormément de vision là, Forte. Et ça va permettre à Bravo de trouver de l'espace pour faire du dégât. D'ailleurs, on le remet. Ah, s'il chope les IB, c'est monstrueux. Parce qu'il a bien lancé son 3-3 aussi, Bravo. Avec 8 marines, c'est un tank juste derrière, je pense pas qu'il chope. Ah, il y a le tank, effectivement. Ouais, non, faut dropper sur le tank en fait en premier. Et le problème là, il y a pas de B4. Ouais, le tank qui calme tout. Et du coup, les marines arrivent. Et il y a le viking, donc tu dois te barrer. Ici. Non. Oh là là, la donation. Oh non, mon dieu. Oh bah là, non. Oh bah là, c'est bol. C'est... Ah bah, normalement, c'est la game. Ah bah, salut. Hein. Surtout, il a perdu la moitié de ses marines là. Vous le voyez, cette tache de sang de qualité. Hein. Ah, il baigne un peu dedans, les marines. C'est le trophée c'est le trophée un petit peu. Hein. C'est quand tu baignes dans le sang de tes adversaires. C'est qui est rude pour Bravo, en fait, c'est que cette game, il s'est fait out multitask tout le long. Genre. Ah oui, il allait pas assez vite. C'est ça, tous les moves de Forte ont marché parce que Forte joue mieux, joue plus vite et là il a tellement plus de temps. Il y a moins de marines, mais est-ce que les marines de Bravo vont pouvoir faire la différence? Non. Bravo qui est sur le reculoir et qui là du coup a une position ultra forte de Forte en face de lui.
Ah, c'est horrible. Après, c'est normal que tu te fasses out multitask sur des games comme ça quand t'as joué mecha pendant 4 ans. C'est censé être normal, effectivement, mais... Bon, c'était pas non plus du mecha ultra agressif, hein. C'était pas très très rapide ce que faisait Bravo sur HOTS. Donc forcément, quand on se retrouve sur des games comme ça, il y a beaucoup d'erreurs. Et là, du coup, bah, on le voit. C'est vraiment, il se fait dépasser systématiquement. Et là, on va sortir les CV, mais face à 9 tanks, comme tu nous le montres, Coca, inutile de dire que ça ne marche pas. La petite micro impeccable pour sauver tous les tanks. GG. Ben, forté en Codes, et de manière tout à fait méritée. Codes, carrément, pour forté, qui rejoint du coup Trap, ici, et qui a bien sali quand même aussi, bravo. Hein. C'est pas un 3-0, mais bon. Il perd la première game et il le déglingue derrière. Quoi. Ça, on a réglé un peu le curseur et c'était comment survivre en fait, tout simplement. Ouais. Jouer agressif sur les deux premières parties, on a trade 1, les deux dernières on a joué solide pour le bon forte qui va pouvoir poser son place, du coup rejoindre ceux de ses prédécesseurs pour une. Là c'est stylé. Est-ce qu'il y a toujours Dream? Est-ce qu'il est toujours mal mis ou ils l'ont corrigé? Ah, ils l'ont corrigé, c'est pas drôle. Pourquoi Dream? En fait là tu vois, lui aussi il est en mode. Alors, il y a deux styles de joueurs. Alive et Cure avaient bien mis leur blaze. Ah oui, et d'accord. Dream arrive. Il l'a fait en travers, sans aucun problème. Genre, on s'en fout de toute façon. C'est normal que je sois là. Je sais même pas pourquoi il y a une cérémonie. Je suis là parce que c'est ma place et tout. Et bon, ferme vos gueules. C'est ça. Je suis Dream. Ma place est en Codes. Au minimum. Siege tank into GG timing, on a surtout des tanks volants into grosse loose de game. Into direct à la casse sans tirer quoi, c'était vraiment. Et puis bon, la moitié des Marines qui se sont fait exploser aussi. Ouais, c'est ça, non seulement ils perdent. Ça pardonne pas en fait, moi je trouve vraiment que ça pardonne tellement moins qu'avant le TBT maintenant. Enfin, le Marine tank quoi. Genre. Disons, tu peux faire beaucoup plus mal. En fait, c'est plus violent, c'est-à-dire, genre, HOTS c'était que du Doom Drop, donc c'était un peu. À la fin, c'était lourd. C'était super chiant, du coup, tu jouais Mecha si tu. En fait, si t'en avais marre du Doom Drop, la seule solution c'était de jouer Mecha. Et là, tu calmes un peu le mec qui te Doom Drop. Moi, je faisais les Doom Drop. Mais du coup, là, LOTV, tu Doom Drop beaucoup moins fort dû au fait que toi t'arrives et le mec il te balance 10 tanks volants dans sa main. Et c'est ça en fait, il peut se repositionner très très vite, ce qui n'était pas le cas avant. Mais pour les prises de fight, on est plus sur du Wings of Liberty où là c'était très lent et si tu prends une bonne position à Wings, à Wall, t'avais gagné en fait. Genre, tu droite, gauche, bim, je suis entre ta B2 et ta main. Le Viking Tank là c'était infâme sur Wings of Liberty. Au tout début. Ah, tu sais que tu veux que je te raconte une game de bronze que j'avais fait sur Wings of Liberty. Ouais, vas-y. Le mec avait 25 tanks. Trop relou, 10 000 vikings au-dessus. Et qu'est-ce que je fais? Parce que bon, c'était pas futé en bronze. Hein. Je fais beaucoup de vikings et je vais dans ses bases et je me pose et je tue les orbitales et après je le nuke. Ah, quel génie! Mais ça, c'est. À bronze 2010, mais. Ah, je m'en souviens sur Metalopolis. Et alors, du coup, j'en ai mis une devant, une derrière, une dessus. Pouf, il y a tout qui est mort. C'est mais ça, mais c'est des souvenirs que tu chéris toute ta vie comme. La première fois que tu fais des Battle Cruiser et que tu gagnes avec, t'es là, c'est trop fort. Puis ensuite, pendant 50 ans, t'es là, David Kim, please. Puis à un moment, j'avais trouvé, parce que moi, j'avais un pote, il jouait Mecha en septembre 2010, il jouait déjà Mecha, et moi, j'étais Zerg, et j'avais trouvé la solution en une semaine. J'avais cogité pendant une semaine, j'avais fait, putain, mais je suis sûr que le Broodlord, c'est cool. Et là, je me dis, mais putain, tu vois, dommage que j'étais nul à chier sinon. C'est ça. Parce qu'à l'époque, on faisait pas des Broodlords contre Mecha, parce que personne faisait Mecha déjà. Pour l'instant aussi, personne fait Mecha. Ouais, verra si notre prochain joueur Terran, Gumio, nous sortira quelque chose. Gumio, tout est possible. Non, Gumio, il peut tout à fait nous faire un Mecha, surtout contre un mec contre Dark. Quoi. C'est ça. Et pour le coup, Gumio, je l'ai vu jouer Elion contre Protoss récemment. D'accord, ok, donc rien à foutre. C'est ça. Sur de base, en mode vas-y, si tu fais des adeptes, j'ai perdu, mais j'ai rien à foutre. Et je gagne quand même parce que je suis Gumio et qu'on dépasse pas les 62 supply pendant 15 minutes. Mais non, des bonnes games de Gumio qui a monté un très très bon niveau, Dark, ça va forcément être solide. Ça va être bon, ouais. On me dit, on va faire des lignes et des roches. Il le faisait déjà. Ouais, non, mais là, on va avoir un bon BO5, je pense, beaucoup plus tendu que les deux précédents. Mais ça sera après une courte page de pub, les amis, parce que ça fait deux games, c'est tout, c'est comme ça, c'est les règles. Du coup, ouais, dernier BO5 de la soirée, c'est le Coda, pour ceux qui viennent d'arriver, Gumio contre Dark, TVZ.